Alors là, j'ai plusieurs groupes de billes, de ronds qui sont dessinés ici. J'en ai dessiné plusieurs. Alors là, je vais compter déjà combien j'ai de... C'est tous les mêmes groupes de ronds. Hein. Donc je vais compter combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc dans chaque, chaque groupe que j'ai dessiné ici, il y a 12 billes. Voilà. Alors ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est essayer de, de voir de combien de façons, de quelle façon je peux diviser ces douze billes en différents groupes. Alors il y a déjà une première façon de faire qui saute un petit peu plus aux yeux que les autres, c'est que je peux en fait considérer un premier groupe ici, un deuxième groupe là, et un troisième groupe ici, un quatrième groupe ici. Donc là j'ai en fait divisé mes douze billes en quatre groupes qui contiennent chacun trois, trois billes. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais pouvoir exprimer en disant que 12 billes, eh bien, je peux les, les représenter comme 4 groupes de 3 billes. Donc ça, je peux l'écrire en disant que 12 est égal à 4 fois 3. C'est 4 groupes de 3 billes. Alors ça, ça se lit, 12 égale 4 fois 3. On le lit comme ça. Ça veut dire que si j'ai 1, 2, 3, 4 groupes de 1, 2, 3 objets, eh bien en fait, j'ai 12 objets. Alors bon, ça c'est une première manière de décomposer nos 12 billes, de diviser nos 12 billes en différents groupes. Mais il y en a d'autres, hein, c'est ce qu'on va essayer de, de chercher maintenant. Alors par exemple, je peux euh, plutôt décomposer, enfin diviser mes, mes 12 billes euh, comme ça, en disant que je, je prends un premier groupe de 4, celui-là qui est ici. Voilà, ça c'est un premier groupe de 4. Je peux rendre un deuxième groupe de 4. De 4 hein. Et là j'ai un troisième groupe de 4 billes. Hein. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai divisé mes 12 billes en, 4, en 3 groupes pardon, de 4 billes chacun. 1, 2, 3 groupes, qui contient chacun 1, 2, 3, 4 billes. Alors, ça, comme tout à l'heure, on peut l'écrire. Hein, on peut le traduire en, en symbole. Ça veut dire que si je prends en fait 1, 2, 3 groupes, donc j'ai 3, alors je vais le faire, je vais garder la couleur de tout à l'heure, je prends 3 fois 4. Donc c'est 3 groupes de 4 billes, 1, 2, 3, 4. Donc si je prends 3 fois 4, eh j'obtiens là aussi 12 billes. 12 billes. Et ça c'est ce que j'ai représenté ici. Hein. J'ai 3 groupes, là ce sont les groupes verticaux, qui contiennent chacun 4 billes. Donc 3 fois 4 c'est égal à 12 puisque j'ai bien regroupé toutes mes billes. Alors on peut remarquer une première chose, hein, c'est que quand je fais 4 fois 3, je prends 4 groupes de 3 billes et j'obtiens 12. Et en fait quand je prends 3 groupe de 4 billes, j'obtiens 12 aussi. Donc 4 x 3 ou 3 x 4, c'est la même chose, on obtient exactement le même résultat. Alors bon, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer. On peut par exemple regrouper nos 12 billes comme ça, en disant que j'ai un premier groupe ici qui est toutes ces billes-là. Donc ça, c'est un groupe de 6 billes. Et puis j'ai un deuxième groupe de 6 billes ici. Hein. Voilà. Donc en tout, j'ai en fait, bien, bien mes 12 billes hein, que j'ai divisées d'une certaine manière, et en fait je les ai en disant que j'ai deux groupes de 6 billes. 6 billes. Donc j'ai 2 fois 6 billes, c'est ce que j'écris comme ça, 2 groupes de 6 billes c'est 2 fois 6 billes, et bien ça, ça fait aussi 12. Voilà, donc ça c'est une autre manière. Alors on peut aussi, comme tout à l'heure, là on avait divisé en 4 groupes de 3, puis en 3 groupes de 4. Là on a divisé en deux groupes de 6. On peut se demander si on peut diviser en 6 groupes de 2. Alors je vais faire des groupes de 2. On va voir ce que ça donne. Donc je vais faire un premier groupe de 2 ici. Là j'en ai un deuxième. Là j'en ai un troisième. Là j'en ai un quatrième. Et puis là en fait je peux regrouper évidemment comme ça, dans le sens vertical. Là j'en ai, ai un autre groupe de 2. Et puis là, j'ai un autre groupe de 2. Hein. Donc voilà, là, ça, ça suffit pour nous. Parce que maintenant, je vais compter combien de groupes de 2 j'ai. Alors, j'ai un groupe, deux groupes, trois groupes, quatre groupes, cinq groupes, six groupes de 2. Donc en fait, j'ai 6 fois 2. 6 groupes de 2, c'est 6 fois 2. Et ça, bon, j'ai redivisé mes 12 billes. Hein. J'ai toujours les mêmes 12 billes. Donc 6 fois 2, ça fait 12. Voilà. Alors, on n'a pas complètement terminé, parce qu'en fait, on peut très bien se dire que 12, je peux les diviser en un groupe de 12. Hein. Je peux faire un seul groupe, donc ça reviendrait à prendre toutes les billes, hein, comme ça. Donc là, je fais un groupe de 12. Voilà. Et ça, bah, ça revient à dire que euh, quand je fais un groupe de 12, donc, donc un groupe de 12, c'est 1 fois 12. Et puis là, ben ça, je vois que ça fait 12. Une fois 12, ça fait 12. Un groupe de 12, c'est 12 billes. Voilà. Alors, on peut, comme tout à l'heure, se demander ce que ça voudrait dire de faire l'inverse, c'est-à-dire au lieu d'avoir fait un... Là, j'ai fait un groupe de 12. Je pourrais voir ce que ça veut dire que de faire 12 groupes de une bille. 12 groupes de une bille, ben, dans ce cas-là, on aurait en fait chaque bille serait un groupe. Alors je vais le faire. Hein. Donc là, j'ai un, un groupe d'une bille. Un deuxième groupe d'une bille, un troisième groupe d'une bille, un quatrième groupe d'une bille, un cinquième groupe d'une bille, un sixième groupe d'une bille, un septième groupe d'une bille, un huitième groupe, un neuvième groupe, un dixième groupe, un onzième groupe et un douzième groupe. Donc là j'ai fait douze groupes de une bille. 12 groupes de une bille. Donc ben, 12, j'ai 12 groupes fois une bille. Et là j'ai retrouvé toutes mes 12 billes, donc je sais que 12 fois 1, et eh bien ça fait 12. Voilà, ça fait 12 aussi. Donc on a ici recensé toutes les manières de diviser 12 billes en groupes de différentes tailles. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que si on prend 4 groupes de 3 billes ou 3 groupes de 4 billes, ça donne le même résultat. Et de même si on prend 2 groupes de 6 billes et 6 groupes de 2 billes, eh bien ça donne encore le même résultat. Donc en fait, la multiplication ne dépend pas du sens dans lequel on l'a fait. Hein. Voilà.